Gros salutations, bonjour tout le monde, bonsoir. Nous comptons brancher avec nous à midi à la, jeudi à c'est mercredi 6 décembre. C'est fête Saint-Nicolas. Donc, il y a une fête et 15 coffres. Il y a une fête tout au mol. De tous côtés, il y a une fête Saint-Patron. Il y a un salut dans ce moment. Nous sommes là, mais dérapé. Là. Oui. Eh bien bon. On s'est regardé à payer là. Si nous avons des mètres de rabais, oui. Ok, d'accord. Eh bien, Abdou, go bonjour, go bonsoir. Et nous saluons. Et c'est le nous chita fait petit bas de bouchon ensemble. Eh bien, et sur le plan international, Abdou, que et ça va passer là, c'est seulement. Et président ukrainien Volodymyr Zelensky a annulé Britsoukou sans attendre un discours qu'il a prononcé devant le Congrès américain et cela mardi 5 décembre nan. Et cependant après ça après annonçant il y a un porte-parole gouvernement qui est censé supplier ou bien commander le Congrès américain pour un qui mesure capable et approuver une assistance financière pour permettre que l'Ukraine continue la bataille avec la Russie. Parce que si on n'a pas une assistance, ça, c'est à dire que la défaite, ça veut dire que la Russie a profité et qu'on va perdre la guerre qui a fait et a mené contre la Russie. À un moment où on a commencé à prendre une série de territoires, et bien ça va marcher. Aujourd'hui, c'est un quatrième débat. Et candidat qui a cherché nomination parti républicain pour présenter le parti dans l'élection présidentielle 2024. Et dans le débat, ça, ancien président Donald Trump n'a pas participé là-dedans, même si c'est lui-même qui a mené dans l'intention de vote. Il y a 4 candidats qui sont qualifiés d'après règlement, mais d'après conditions que comité national républicain fixé et pour participer. Donc, président Donald Trump, entre-temps lui-même, l'a organisé un fundraising dans Miami et dans la même soirée que candidat démocrate. Alors, là, c'est dernier débat avant caucus que le Parti républicain a déroulé dans Iowa. Donc chaque parti au Kenya va chercher pour dans qui mesure capable convaincre et électeurs républicains pour voter en faveur yo gagne qui aller gagne et gouverneur d'État Floride Ron DeSantis gagne ancien gouverneur New Jersey à tout qui est censé parmi 3-4 candidats qui est censé qualifier pour débat là. Actualité à son plan et bon c'est une gueule bas que nous pouvons parler encore sur plan et local pas vraiment etc que n'a plus qu'il fait frais en pile regarde qu'on y a un frigide là et donc son frigide dernier on frigide sous mes donc là sous moi là on m'a mal à faire la gelée même en dos pour tellement que il fait frais et mais et en Haïti il y a une délégation Kenya avec Kenya et ensemble avec une délégation américaine, eh bien, ils ont visité en Haïti hier, ils ont rencontré avec l'autorité, parce que le premier ministre Ariel Henry, avec quelques autres responsables, et puis justement, dans cette discussion, ils étaient centrés surtout sur les prochaines missions, bien encore, et forces multinationales qui viennent pour aller en Haïti à très bientôt. Et mais personne ne peut pas avoir une date qui est fixée jusqu'à présent, mais raison visée là, et les sujets ça a été discuté pour dégager l'aspect logistique, technique qui en va jusqu'à présent. Et bon, c'est certainement pour quelqu'un tout une délégation haïtienne qui est pour venir au Kenya tout pour très certainement à l'encontre avec les responsables. Donc, objectif visite là, c'était justement à planifier justement pour. Et parce qu'apparemment, jusqu'à présent, c'est Kenya qui a accepté pour prendre tête et mission ça qui pourra aller des polices nationales là combattre l'insécurité. Et que quelqu'un qui dit que l'argent pas le dépenser pour les militaires kenyans, qui dit d'ailleurs ben 5 000 policiers, il dit que l'argent ça a été utilisé pour
et mettez plus policiers, ben l'armée d'Haïti et moyens nécessaires, ben police à moyens nécessaires, mettez employer plus monde pour te permettre que eux-mêmes ils combattent l'insécurité. Mais c'est pas comme ça que la communauté internationale a ouais lui-même, ils pensent que une force multinationale capable bien placée pour l'aider et des polices nationales à combattre l'insécurité. Donc c'est sur point ça nous camper. Et puis c'est même jeudi à tout, il y a une délégation des éminents et CARICOM qui pour arriver en Haïti, donc il a pu arriver à Haïti jeudi, il a prêté jusqu'au 14 avec espoir, il est capable de finir discuter document par parti politique pour être dans quelle façon il est capable de résoudre la crise politique ça que Haïti a traversé. Alors dans la délégation ça, alors parmi les points qui gagnent dans le document ça, il prévoit là-dedans pour gagner un haut conseil de transition à 7 membres, contrairement à 5 membres qui étaient parlé avant, et à 3 qui ont connu là. Donc, ils mettaient la 7, mais qui a un pouvoir présidentiel avec un premier ministre qui n'a pas dirigé au gouvernement. Mais ça savait que CARICOM est capable de camper là pour gérer la situation en attendant que l'élection est déroulée. Est-ce que l'élection est déroulée dans 18 mois? Est-ce qu'il y a d'autres conditions qui pourront remplir, etc. Mais en tout cas, et parti politique qui était sur un document, bon, il y a des positions différentes, mais il peut être senti que plus bien armé, je dis à Achita parler avec la délégation, mais que la délégation vient par mettre ensemble net, pour discuter, de tout en route à chaque monde séparément, et pour façon pour éviter et cabouillage entre les représentants partis politiques, sociétés civiles là, et qui ont des positions différentes, mais nous rappeler que il y a un parti politique qui jusqu'à présent mordicus, je crois qu'il faut que le premier ministre Henry lui-même dit à l'école, pas qu'il y ait une solution. Et il n'y a pas qu'à faire partie de la solution. Parce qu'il était déjà problème, non, donc il n'y a pas qu'à faire partie de la solution. Donc il a demandé pour lui à l'école pour le démissionner, pour qu'il vienne avec un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre. Et il y a un temps qui a chauffé, par exemple, Charles Dilly, un nouveau président qui est là, qui est longtemps depuis là, c'est économiste Swidjan, qui est là longtemps. Puis le dossier foncier haïtien dominicain, un changement qui fait, mais il y a une pile pression qui a fait qu'on y a sur l'autorité pour essayer d'aller ouvrir les frontières. Parti dominicain dans son nom à la pression a fait, mais il y a une autorité qui a résisté à menace ou bien encore tentative qui a fait, et parce qu'il dit qu'il faut frontière faites pas l'ouvrir, faites pas faire, etc. Mais dominicain a dit, mais l'ouvrir frontière, c'est seulement pour aller se venir acheter. Il n'y a pas qu'à aller plus loin que ça parce que section visa. Et le consulat dominicain et licence est fermé, donc pas de monde qui n'a pas prendre visa. Sur mon visa dominicain dans mon je dis à l'Ivalab, parce qu'il est toujours autorisé, mon pas qu'à voyager par la route, c'est seulement en avion pour capable aller en République dominicaine. Et puis dossier route qui mène dans 4 départements, dans sortie et sud. Et capitale à Port-au-Prince, mais il y a toujours une difficulté parce que M. Negame est toujours. Et bloqué et sorti ça et bien beaucoup en café avec la police de temps en temps, mais jusqu'à présent pour qu'on ait un résultat et monde qui voulait aller des business dans zone Léogane ou bien un petit peu beaucoup plus dans l'ouest, et bien il n'y a pas qu'à aller et tout comme tout il y a des gens qui veulent aller dans le sud, excepté sous d'accord ou passer pour payer un frais. On fait un droit de passage pour passer, donc ça veut dire que l'automobile est sur un problème par eux, donc ils sont coincés dans le sud d'un côté, et dans notre tour, il y a un problème dans tout parce que les négames et tout, ils sont censés bloquer toute activité, et il y a un peu de cap d'ici, c'est en fait, c'est les montagnes qui ferment une activité, mais pas rien jusqu'à présent. Donc c'est la nuit, et puis il y a Joseph Vincent, il y a un monde qui était aux États-Unis pour l'accusation contre le Tagin pour avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et bien, il y a M. plaidé coupable dans le tribunal fédéral américain, que effectivement, il a participé comme auteur matériel, il a pris matériel, il a logistique, il a assisté dans la réunion. On sait déjà qu'il était au courant, donc il a participé dans le crime qui était commis comme assassinat président Jovenel Moïse. Nous sommes le quatrième monde qui condamné, ou bien qui pas condamné, mais qui plaide coupable. Sous ce dossier-là, il y a
ancien sénateur John Joel Joseph, Rudolf Jarre, et puis on l'autre encore. Donc ça fait pratiquement 4 personnes. Et monsieur gen pour les connaissances en sli, il y a 2 personnes qui sont déjà condamnées pour prison à vie. Et M. Georges Vincent, qui était ancien agent d'enseignement d'IE, et bien que l'IE vienne depuis que M. Patata est pour eux, donc l'action de poser, c'est qu'il n'y a pas pour eux dans ça. Donc, de toute façon, c'est comme ça, ça. M. Vincent est coupable hier, il y a un tribunal fédéral qui est coupable de l'assassinat. Ça. Et puis, Israël Hamas continue à boucanter Goudzam. Hier, c'était Negue passé toute journée à Bokote Goudzam, au contraire même. Et les soldats israéliens étaient dénoncés des attaques en dedans, même là, de porte à porte. Il a attaqué le groupe Hamas là. Il y a tout et chef tribunal et criminel international là, et a visité la zone Win, dans le sud. Israël, côté Hamas a attaqué 7 octobre passé, mais de toute façon, ni Israël, ni Israël, ni Hamas, surtout les deux, réclamaient qu'ils sont victimes de génocide, ou bien encore victimes de crimes de guerre. Donc, ça veut dire qu'il y a préparé qu'on y a pour y aller devant le tribunal international, côté pour le défendre, parce que l'un a accusé l'autre de crimes contre l'humanité. C'est vrai que le responsable a parlé de. Et Saloué a dit que. Hamas a commettre crime de guerre, mais tout est palestinien fâché parce qu'il dit que M. prend position en faveur d'Israël. Donc M. fait une réunion et l'organisation palestinienne n'a pas allé parce qu'il dit que M. est venu avec l'esprit de partisans et que la supporte Israël. Alors que eux-mêmes, ils ont longtemps de déposer plainte pour Israël et ils ont occupé eux. Donc, non, mais le dossier après aller devant le tribunal criminel international, parce que chaque partie n'a pas accusé l'autre, comme quoi il s'est victime, l'autre là, et que l'autre a commis un crime de guerre contre lui. Voilà, c'est ça lié. Et puis, mes amis, dans l'autre nouvelle, bonne petite nouvelle sur sport, et section football féminin haïtien a rencontré avec la République dominicaine, ça sort dans le match du barrage, parce que la République dominicaine a remporté le groupe C. Groupe C dans groupe CA, donc c'est eux qui remportent les. Donc ils vont jouer deux matchs avec Haïti avec possibilité pour une place dans première édition et Coupe de CONCACAF et version féminine. En tout cas, il y a des gens qui ont dit oui, Haïti qui a un peu de chance que Dominicain n'y pas de football. Pas dit ça. Actuellement, CONCACAF a fait annoncer dernièrement là, il y a construit une installation dernier cri. Dernier modèle et en République dominicaine, un complexe qui a accueilli toute discipline qui est là-dedans et là-dedans le tout, côté tout membre et confédération capable là pour aller participer dans le séminaire, dans ces bagailles. Donc, Dominicani, même dans le pays baseball, mais demain, quand il y a actuellement la vacance, c'est super football. Vous n'avez pas oublié que la République dominicaine, il y a une sélection qui a été éliminée à Haïti tout. Donc, ça veut dire que Pas avant pour loi, tout autant qu'on patrouille loi. Ça veut dire que c'est Haïti, match-up le 17 février, mais c'est aux États-Unis là, parce que immédiatement, équipe qui vainqueur, équipe qui caléa, qui remporte match-up, là, tout était aux États-Unis pour une coupe de CONCACAF. Donc ça veut dire que pas qu'on fait rien, pas avant pour loi, tout autant qu'on patrouille. Donc Haïti, de dégager. Pour venir en chat, terrain, il y a même mesure pour tout le monde, ballon pour tout le monde, il y a même quand tu joues sur terrain, donc c'est préparer nous et puis conscientiser nous. Mais afin de nous comprendre qu'il y a un handicap qui est capable de caler la République dominicaine, je ne dis pas non. Mais l'inverse qui a existé. Tout. Et même si ils viennent porter le groupe par eux, avec 15 points, ils font pas un parcours très sérieux, hein? Ils font pas un sérieux dans le groupe là. Et jusqu'à ce qu'il puisse remporter avec une victoire de Hazé remportée hier devant Bermude. Donc ça veut dire que Dominicain est sérieux, équipe féminine est sérieux. Il y a eu le bail de Kiskeanos. Bon, c'est Kiskeana, mais c'est Kiskeanos. Nous connaissons ou non. Nous, les têtes, nous gradions, nous avons dit pas nous Kiskea tout. Bon. Parce que c'est les Hazé saleté, mais les Kiskeanos. Donc ça veut dire que. Et puis, Massa, son astuce qui est double portée.
Donc Haïti nous conflit avec la République dominicaine. Haïti, quand on a joué la République dominicaine, c'est des bases quand on a joué un match, et que ce soit un match qualificatif, Coupe du Monde, etc. Et bien après, le déblocage à la PTA, Haïti vient de ne pas jouer encore la République dominicaine. Donc, les derniers matchs que j'ai joué, j'ai joué dans Trinidad de Provence, parce que localement, Haïti n'a pas accueilli une équipe pour raison de sécurité, par l'équipe qui a joué en Haïti. Pourquoi dire à nous veiller pour nous, à nous attendre pour nous, 17 février, rendez-vous. Donc, les gens qui ont jeté de l'eau, les gens qui ont la prière, les gens qui ont lu la Bible, les gens qui ont lu le Coran, tout ce qu'on va faire. Et tout le monde a été qualifié, mais Dominicain est même qualifié et est même participé pour la première fois dans la compétition à ce niveau. Et on a dit que Dominicain est très loin et il y a un grand pile pour que vous fassiez dans le stade, etc., dans l'infrastructure sportive que vous avez. Voilà. Ok, mes amis, il fait fret. Donc tout le monde est là et. Nous avons habité encore dans le programme de la télévision. Espérons que face à nous, pas babi pour son, que nous disons pas de son. Espérons que le programme soit résolu. C'est un problème technique lié. Espérons que le programme soit résolu dans l'édition. Je dis avec nous, dans un nouveau studio. Donc, il y a des difficultés pour lancer. On sait des problèmes techniques qui sont responsables des techniciens de résoudre. Donc, nous espérons que ça résoudre. Passez bonne journée. Et en compagnie de la bonne avec visiter Banyo, visiter toutes les zones, visiter toutes les plateformes pour nous connaître sa capacité dans le monde. Bye bye tout le monde. Bye bye, arrêtez dans le fusil, elle se ferait trop.